Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto ? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce lundi 6 mai sur Chauffe TV. La politique économique et sociale est-elle aujourd'hui suspendue à la cohérence de la coalition gouvernementale ? La question est chaque jour un peu plus cruciale, tant les relations sont tendues au sein des partis du gouvernement. La toute dernière réunion de la majorité en fin de semaine dernière en donne un exemple singulier. Alors que cette réunion devait permettre à ses participants de passer en revue des dossiers urgents en matière économique, les échanges se sont limités à un affrontement entre leaders du PJD, du PPS et de l'Istiqlal. Les déclarations de Ahmed Chabat, secrétaire général de l'Istiqlal et patron du syndicat de l'UGTM lors de la fête du travail le 1er mai, n'ont guère été du goût de ses partenaires au sein du gouvernement. Abdelilah Benkirane et Nabil Ben Abdallah ont sommé Chabat soit de cesser ses attaques contre le gouvernement, soit d'en retirer les ministres de l'Istiqlal. Or, le secrétaire général de l'Istiqlal entend garder sa liberté de parole. Ses débats, pour ne pas dire ses querelles au sein même de la majorité, nuisent-ils à la bonne conduite des affaires ? Ils ne les facilitent pas, assurément, et de nombreux interlocuteurs du gouvernement parmi les acteurs économiques déplorent une telle situation qui préférerait voir l'équipe ministérielle engager les réformes attendues. Le pacte national pour l'emploi toujours à l'étude. Parmi les dossiers qui suscitent l'impatience des acteurs économiques, celui du pacte pour l'emploi tient une place de choix. On se souvient de la réunion au sommet tenue voici plus d'un an à la CGEM en présence d'Abdelilah Benkirane et de Myriam Bensalah. On a également en mémoire la rencontre du gouvernement à Srirat avec l'ensemble des milieux d'affaires. Deux rencontres destinées à acter les grandes réformes économiques et sociales et à engager et à préciser les priorités de chacun. Un an plus tard, le dialogue engagé semble au point mort. S'agissant, par exemple, du pacte pour l'emploi, formulé pourtant dès 2011, les propositions de la CGEM semblent s'être perdues dans le désert. D'une nouvelle législation sur le droit de grève à l'évolution du droit du travail, de la création d'une indemnité pour perte d'emploi à celle d'un nouveau type de contrat de travail, aucun de ces dossiers n'a réellement fait l'objet de négociations entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Or, ce sont là des questions cruciales à faire évoluer d'urgence pour tenter de dépasser les querelles auxquelles se livrent les leaders des formations politiques au moment où le Maroc peine à retrouver le chemin de la croissance et voit se fragiliser ses fondamentaux économiques. Patronat et syndicats se disent prêts à reprendre le dialogue et attendent les propositions du gouvernement. La TVA peut-elle être patriotique ? La Fédération nationale de l'agroalimentaire, la FENAGRI, que préside Amin Berada Souni, vient de faire une proposition pour le moins originale. Les industriels de l'agroalimentaire ne cessent de déplorer un réel problème d'accès à une matière première compétitive, tant en termes de prix que de qualité. Des industriels qui n'arrivent toujours pas à répondre à la demande du marché, pas plus qu'ils ne réussissent à transformer la production locale. Ainsi, à titre de comparaison, quand les pays européens transforment près de 100% de la production agricole locale en faisant un élément déterminant de leurs exportations et donc de leur balance commerciale, le Maroc, lui, ne transforme que moins de 15% de sa production. Les industriels y voient au moins une raison, l'application d'un taux de TVA de 20% sur les produits agricoles de première nécessité quand il est de l'ordre de 5% par ailleurs. Un différentiel qui rend le produit transformé beaucoup plus cher et constitue ainsi, selon le secteur agroalimentaire, une réelle entrave à la transformation. Comment y remédier ? La FENAGRI propose donc au gouvernement d'instituer une TVA patriotique, autrement dit un taux de TVA minoré, de nature à permettre aux industriels de l'agroalimentaire d'être plus compétitifs et de lutter à armes presque égales, avec leurs concurrents. BMCE Bank s'apprête à délivrer un nouvel emprunt obligataire. 500 millions de dollars, tel devrait être le montant de l'emprunt obligataire lancé prochainement par BMCE Bank à l'international.
Il s'agit là, pour le groupe que préside Othman Ben Jelloun, de consolider ses moyens financiers pour financer son développement, notamment à l'international et plus particulièrement encore sur le continent africain. BMCE Bank a multiplié ces derniers temps augmentation de capital et levée de capitaux sur les marchés pour renforcer notamment ses fonds propres. Le groupe bancaire a, on le sait, de fortes ambitions de développement d'ici à 2015 via notamment sa filiale Bank of Africa, la BOA. Le Maroc veut séduire les investisseurs du Golfe. Le Royaume entend améliorer son image auprès des investisseurs des pays du Golfe et des principaux investisseurs internationaux dans le secteur du tourisme. Le Maroc est ainsi présent aux travaux de l'Arabian Hotel Investment Conference qui se sont ouverts hier à Dubaï. Pour Imad Berakad, le président du directoire de la SMIT, la société marocaine d'ingénierie touristique, la participation de sa société et de plusieurs acteurs marocains du secteur touristique à cet événement international vise également à commercialiser l'offre touristique nationale et à promouvoir les opportunités d'investissement dans les secteurs de tourisme et de l'hôtellerie au Maroc, tout en mettant l'accent sur l'importance des grands chantiers lancés actuellement par le Royaume. Il s'agit pour le Maroc de donner un aperçu sur le climat des affaires et de l'investissement touristique, de présenter les opportunités d'investissement et de partenariat en invitant les opérateurs présents à Dubaï à contribuer au développement des projets touristiques planifiés, tout cela dans le cadre bien sûr de la vision 2020 destinée à porter la capacité litière du pays de 175 000 lits actuellement, en 2010 en tout cas, à 375 000 lits en 2020. Or, pour assurer les objectifs de la vision 2020, le pays a besoin de 150 milliards de dirhams d'ici à 10 ans. La bourse de Casablanca ouvre la semaine en très légère hausse. Le MADAX termine ainsi en progression de 0,05% à 7497 points et le MACI progresse de 0,06% à 9205 points. À la hausse, on relève les bonnes performances de Ekdom qui termine à plus 5,88% à 1674 points et de Maghrebaï qui clôt à plus 4,05% à 770 dirhams. La CGI en revanche signe la plus mauvaise performance de la journée en perdant 3,93% à 562 dirhams tandis que Managem recule de 3,61% à 1328 points. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV. Bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto ? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.